l'Atlantique est bien portante. Hop là, on repart vers la liberté. Elle a pris le verre puis elle est restée sur place, je la sentais à peine. Ah bon, quand on a l'habitude, on sait que c'est une truite. Ça, si on racle le fond, on frôle un peu le fond ou la touche d'une truite. On sent une espèce de lourdeur, en fait. Ça fait comme une sorte de lourdeur. Une sensation un peu bizarre. Quand c'est comme ça, il ne faut pas hésiter, il faut ferrer. On a souvent des surprises. Marco, Jean-Marc, tu devrais descendre et essayer de la ramener toi, à mes pieds. Là, tu vois. Fais attention qu'elle ne se mette pas dans l'enrochement, fais gaffe. Putain, mais c'est quoi cette truite là? Ah, c'est du balèze. Ah, c'est remis encore sous le machin. L'Atlantique, bien sûr. Là, j'ai la plombée, elle est au moins 25 cm du verre. Bon, je vous fais voir la plombée que j'ai pour ce coup là. Bon, c'est un coup qui est méchant, il y a 4,50 m de fond. On est contre un arrangement à pic là. Et donc il faut sonder mais sans accrocher les gros cailloux qui au fond, c'est délicat à pêcher. Mais avec un peu d'application, on arrive à raser le fond là, sous 4,50 m d'eau. Là il y a des gros remous dans ce grand à pic, dans ces gros arrochements. Et les truites elles sont calées au fond, sous 4,50 m d'eau. Voilà. De l'hameçon au plan de base, j'ai environ 25 cm. Pourquoi? C'est pour la présentation, pour que le verre il arrive bien en premier. Et ensuite j'ai un 5, un 4, un 3 et deux numéros 2. C'est une plombée légère, hein, pour une rivière puissante comme ça. Mais je m'aperçois qu'aujourd'hui il faut que je passe bien au ralenti. Parce que les poissons ne sont pas trop loin de la berge. Ils sont dans les enrochements. Donc il faut faire une pêche très lente. Il faut bien sonder en faisant bien racler le fond, mais au ralenti. C'est pas facile, hein. Il faut vraiment bien assouplir la ligne et bien la conduire. Et je ne sais pas si vous verrez peut-être sur la vidéo, mais tout à l'heure on s'est fait démonter par une truite d'environ 70 cm, une truite gigantesque. On l'a tenue pendant un quart d'heure, 20 minutes. Le collègue, là, Jean-Marc, il la tenait. Après, elle s'est mise dans des branches. Après, j'ai pris la canne, j'ai réussi à la faire sortir des branches. Et après, comme elle était trop grosse, c'était environ 70 cm, c'est des truites de plusieurs kilos. Eh ben on est impuissant quoi. Le courant était très violent, que toute la rivière passait au même endroit, donc la truite de 70 elle a une force énorme. Et en fait j'ai rien pu faire, du coup elle est retournée dans le tas de branches, j'étais totalement impuissant. La canne était pliée en deux, elle était prête à casser. J'ai tiré toutes mes forces pour la faire sortir du tas de branches, elle a pas voulu. Impossible. C'était une truite énorme. Alors, bien entendu on était déçus, mais c'est la pêche, c'est comme ça. Avec des truites comme ça, des truites gigantesques comme ça, il faudra avoir au moins du 25 centième du fil très gros. Pour essayer de tirer beaucoup, on ne peut rien faire. Quoi. Si on tire trop, on risque de casser la canne. Déjà j'étais à la limite de la rupture. Quand c'est gros, c'est gros. Hein. Et le problème c'est qu'ici c'est une rivière qui est gigantesque. Hein. Alors quand on tient une truite de 70 cm dans une monstruosité comme ça, on est pratiquement impuissant. Pratiquement impuissant. On ne peut pas faire un... C'est dommage. Autrement, on aurait vu un super poisson. Mais c'est comme ça. J'aurais peut-être la chance de la prendre un autre coup. Voilà. Allez, on continue. On ne reprend pas. Hein. Se faire piquer. Ah, dis donc. La largeur qu'elle a, dis donc, c'est incroyable. Au bout de la ligne, elle était lourde. Hein. Elle a essayé de se mettre dans les enrochements pour casser la ligne, mais elle n'est pas arrivée. Alors le coup d'avant là, juste avant cette truite là, j'en ai décroché une jolie qui a environ truite de, il va faire 38 environ, 38-40 comme celle-là. Je l'ai tenue à un moment, elle s'est décrochée. Et bon, il faut reconnaître que pêcher dans des remous comme ça, sous 4,50 m de fond, c'est, il vaut mieux. Il vaut mieux avoir une bonne habitude de la pêche aux appâts naturels, autrement on ne sait pas du tout ce qu'on fait en fait. Hein. On jette, là, on jette là-dedans, il y a 4,50 m de fond, il y a des remous, il y a des enrochements. On ne sait pas du tout où on en est. Hein. On ne sait pas si on est au fond, si on est entre deux eaux. Et pourtant il faut y passer au fond. C'est là que sont les truites. La pêche aux appâts naturels, c'est pas facile. Alors les gens s'étonnent aussi que je pêche sans les gens s'étonnent que je pêche sans rigoletto, sans repère sur le fil. Eh bien pourquoi? Bah, simplement dans des profondeurs comme ça là il y a 4,50 m, mais il y a des fois je pêche il y a 5 m, 6 m de fond. Alors qu'une canne qui fait 3,90 m avec 6 m de fond ou 5 m de fond, je vois pas comment je ferais qu'un rigoletto. Parce que le rigoletto, il bute au bout du sillon et on peut pas lancer. Donc la personne qui ne sait pas pêcher sans rigoletto, eh bien dans des rivières comme ça, parce que là, le problème, c'est qu'on est dans le démesuré là. Là, il y a 450 m3/seconde qui passent. C'est énorme, énorme, énorme. Donc, pêcher dans des immensités comme ça avec un rigoletto, je vois pas comment il faudrait faire, hein, franchement. Si on met le rigoletto à 4,50 m, quand on mouline comme ça, pour lancer, pour ouvrir le pick-up et lancer, comment on fait? Le rigoletto vient buter au bout. Alors je sais très bien qu'il y a très peu de personnes qui savent pêcher sans rigoletto, parce que il est certain qu'un rigoletto ça aide beaucoup à, à donner de la profondeur, à se guider un peu dans les différentes profondeurs d'eau, mais le problème ici, si on pêche avec un rigoletto, on ne peut pas. Donc disons que c'est une autre pêche. C'est pour ça que dans ce rivière, on ne voit jamais de pêcheurs à la sans-pé. Parce que le problème, les gens, quand on leur... 99% des gens savent pêcher avec un rigoletto. Sans rigoletto, ils ne savent pas pêcher. C'est pour ça qu'on ne les voit jamais dans cette rivière. Mais je les comprends, hein, parce que c'est difficile. Déjà qu'un rigoletto, c'est dur. Sans rigoletto, c'est encore une autre pêche. Hein. On est dans un autre hémisphère. C'est encore beaucoup plus difficile. Parce que là, je jette, là, j'ai aucun repère. Hein. J'ai pas de rigoletto. Voilà. Et quand je jette, là, il y a 4,50 m de fond, il faut vraiment que je sache que je rase le fond. Et comment il faut faire? Sans rigoler, sans guide, comment on fait? Et voilà. Le problème... Moi, j'ai développé cette pêche et je m'y suis tenu et je sais exactement si je suis au ras du fond... ou à 10 cm en dessus, ou à 15 cm en dessus, je sais exactement quand je rase le fond. Et ça n'a pas été facile à développer cette pêche. Mais j'y suis arrivé. Et maintenant, ben, je peux me permettre de pêcher dans des immensités comme ça. Qui est 6 mètres, 7 mètres de fond, 8 mètres, aucune importance. Je sais exactement si je suis à 5 cm ou à 10 cm du fond, ou si je rase le fond, je le sais exactement. Voilà. Allez, on continue. Là, c'est bien parti. Là, j'ai eu 4-5 touches, je ne sais pas combien. non, les revenus, c'est là, tu vois. Les revenus. Salut. Encore une fois. Bon, il y en a qui ne croient pas qu'il y a des arcs-en-ciel dans cette rivière. La preuve. Il y en a. C'est nerveux ces bestiaux là. En entendant. On entend, là, je suis dans les branches, hein. Là on pêche la pampa, hein. On entend souvent dire aussi que les arcs-en-ciel se tiennent pas dans les... On entend souvent dire que les arcs-en-ciel se tiennent pas dans les gros courants. Là il y a... Là, il y a 4,50 m de fond, il y a des remous énormes, il y a 450 m3/seconde et l'arc-en-ciel est lié. Comme quoi, des fois, il faut revoir un peu ses copies. La pêche, c'est vrai que c'est bien vrai, hein, c'est pas une science exacte, vous voyez, hein, c'est bien la meilleure des preuves. On dit que les arcs-en-ciel, elles dévalent, c'est bien sûr que c'est vrai. Mais il y a quand même certains sujets qui peuvent rester dans des courants très violents comme ça, la preuve. Comme quoi la pêche n'est vraiment pas une science exacte, on est très loin. On en apprend tous les jours, et tout au long de sa vie. Celle-là, bon, celle-là était méchante, hein. Elle était dans le même coup que l'arc-en-ciel, mais plus loin, plus dans le courant, à environ 5 mètres de fond. Elle était là-bas, hein. Donc dans la dérive, enfin la dérive elle est lente, hein, parce qu'il y a énormément de fond. Mais dans la dérive, en fait, comme c'est une grosse truite, j'ai eu une sensation bizarre, j'ai fait effectivement, c'était ça. C'est-à-dire souvent les gros poissons, ils prennent l'appât. Là, je pêche au verre, ils prennent le verre et ils restent sur place. Et là, j'ai ferré et c'est encore une grosse truite. Là, donc tout de suite, elle a dévalé. Il a fallu que je passe sous l'arbre, là, parce que là, c'est un peu délicat à pêcher parce qu'on est sous un saule blanc. Mais bon, encore une truite de prise. Hein. Sur ce coup-là, ça en fait combien, Jean-Marc? 9. 9 ouais. 9% sur ce coup-là. Comme quoi, vous voyez, il n'y a pas besoin de rigoler tout. Il n'y a pas besoin de rigoler tout. Bon, on y retourne. Les pêcheurs ils viennent pas, c'est l'avantage. Il faut aller où les pêcheurs ne viennent pas. C'est dangereux. Oh, elle s'est mise dans une saloperie, j'ai senti. Cassé. Une grosse truite. Hein. Voilà, bah là une grosse truite. Elle commençait à remonter un peu, ça commençait à bien se passer. Tout par un coup, eh bien, elle s'est mise dans un... Au fond, j'ai senti... Elle s'est mise dans une souche d'arbre ou je sais pas quoi, au fond, une branche. Perdu. Coupé l'hameçon. Une grosse truite. Hein. C'est dommage parce que l'action de pêche était jolie. Là, mon fil, il dérivait très très bien. Il y a eu un tout petit arrêt. Donc c'était tout à fait normal qu'il y ait un arrêt... dans la dérive qui se déroulait très bien, comme ça, bien au ralenti. C'était pas normal, j'ai ferré, effectivement, c'est une grosse truite. Mais par contre, les grosses truites, dans cette rivière, pour les arrêter, c'est difficile. Parce qu'au fond, il y a des souches d'arbres, il y a des branches, il y a des arbres qui ont été arrachés du bord, avec les crues, et qui sont coincés sur le fond, quand on a une grosse truite. Et bien souvent, elle va se mettre dans ces arbres, au fond. Dommage. J'ai essayé de voir s'il n'y en a pas une autre, des fois. Bon alors, résultat de cette journée de pêche, 15 truites piquées et 13 sorties. Le problème c'est qu'on a perdu les deux plus grosses. La première elle faisait environ 70 cm, donc c'était une truite énorme. On l'a tenue pendant 15-20 minutes. Tout par un coup, elle s'est mise sous des branches qu'il y avait dans les enrochements. Là. Bon, j'ai réussi à la faire sortir un premier coup. Et donc après, elle est repartie dans le courant, mais le problème, c'est qu'elle était trop grosse. La canne était pliée en deux et je ne pouvais rien faire. C'était trop puissant. Le problème, c'est qu'elle était dans une lame d'eau extrêmement violente. Et le problème, elle s'est remise une deuxième fois dans le tas de branches. Et là, j'ai tiré toutes mes forces, j'ai redonné du mou, j'ai tiré à la rupture de la canne parce que je la sentais, la truite. Et le problème, elle s'est entortillée dans les branches, j'ai rien pu faire, j'étais obligé de casser. Ensuite, tout à l'heure, j'en ai piqué une grosse, un peu plus bas, là. Donc elle remontait la rivière comme un sous-marin. Et tout par un coup, j'ai senti dans le fil un tiraillement comme ça. Paf, elle s'est mise sous une souche d'arbre qui est au fond de la rivière, sous environ 5 mètres d'eau. Donc là, pareil, j'ai rien pu faire. C'est un sous-marin. Mais enfin bon, j'en ai quand même sorti 13. Dont des jolies truites quand même. Donc aujourd'hui, elles étaient quand même pas faciles à faire. Elles étaient dans les enrochements, dans les grands profonds. Sur les plages, il n'y avait rien. Elles étaient sous environ 4 à 6 mètres d'eau aujourd'hui. Dans des remous. Donc c'était extrêmement difficile à pêcher. C'était une pêche bien intéressante. Moi, j'aime bien ces pêches un peu difficiles. C'est vrai que pour sortir les truites dans des conditions comme ça, il faut se sortir les tripes. Hein. Alors, bien entendu, dans des rivières comme ça, on ne pêche pas que du petit matériel. Hein. On ne pêche pas que des moulinets avec 13 ou 14 roulements à billes, parce que là, ils ne tiennent pas. Les grosses truites comme ça, énormes, là, elles pètent tout. Moi, ça m'est déjà arrivé. Il faut pêcher avec des moulinets extrêmement solides, extrêmement simples et solides. Et surtout pas avec des freins. Que quand on pique une truite de 70 dans des monstruosités comme ça, le problème, le frein, il se met à chanter, la truite tout de suite, et ben, comme on ne tire pas assez fort, elle se met dans les enrochements. Donc il faut serrer le frein à mort et pêcher à démouliner quand tu as une grosse truite. Et pour tirer très fort de toutes ses forces, pour éviter qu'elle se mette dans les enrochements. Donc on oublie les freins, les grilles, les machins, ça vaut rien. Le temps qu'on serre le frein, qu'on machine, la truite, elle est dans l'enrochement. Ça, c'est bien pour faire mumuse avec des truites qui ne sont pas tellement grosses. Et dans des rivières normales, hein, pas dans des monstruosités comme ça. Dans des monstruosités comme ça, pour arrêter les grosses truites, pour pas qu'elles se mettent dans les souches d'arbres, on pêche à démouliner, hein, en bloquant le frein à mort. Là, ce n'est pas de la pêche normale. Ça, c'est de la pêche d'un autre monde. Et pour la canne, pareil, il faut des cannes extrêmement solides, autrement les cannes, on les casse. Là, j'ai la Garbolino Extrême Trout, la Saint-Brin Light. L'avantage de cette canne, c'est qu'elle est très résonante. Elle est parabolique, donc c'est-à-dire elle amortit bien les grosses truites, pour pas qu'elles se décrochent, parce que les combats, des fois, ils durent très longtemps. Des fois, ça arrive une demi-heure, 45 minutes, 40 minutes. Et donc cette canne, elle est faite en carbone NetV Mitsubishi. Donc c'est un carbone qui est pratiquement incassable. Je ne sais pas si on verra dans les vidéos, ce matin je tirais à la rupture de la canne, mais elle ne casse pas. Voilà, il faut, dans des rivières comme ça, il faut des cannes extrêmement solides. Là, c'est pas de la rigolade. Voilà, eh bien, on va se rentrer après avoir passé une bonne journée riche en émotions. Hein. Ça a été il y a eu 2 séquences émotions aujourd'hui, surtout sur la grosse truite de 70 ce matin. J'en remarque le caméraman, il peut en parler. Parce que quand je l'ai piqué, la truite, après je lui ai donné la canne. Et là, ça faisait pas rire, hein, Jean-Marc. Ça rigolait pas, là. C'était très violent, violent. C'est très violent, c'est très méchant, t'as vu, c'est impressionnant. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire, c'est trop lourd, c'est inarrêtable, c'est un sous-marin. Tu la suis, c'est tout. Ouais, tu peux rien faire. Voilà, ma femme, puis après cet après-midi, pareil, une séquence émotion, à tout à l'heure, une grosse truite, pareil, que j'ai pas pu arrêter. On peut rien faire. Hein. Là, la rivière, elle est monstrueuse, c'est trop puissant, on peut rien faire. Il faut d'avoir une canne, je sais pas. Il va y avoir une canne de mer avec du fil énorme, mais après les truites elles ne mordent plus. Voilà, bon, ben, on va se rentrer. Et après avoir passé une super journée. On a fait quand même pas mal de poissons. C'était bien agréable. La pêche était difficile. Comme je vous dis, il fallait pêcher dans les grands. Pourquoi c'était difficile? Parce qu'elles sont dans les enrochements comme on voit là. Dans les apics, hein, carrément dans les apics, dans les tombants. Hein. Dans les grands tombants comme ça, sous 4 à 6 mètres de fond. Donc bien entendu, quand on lance sa plombée, il faut lancer des grosses plombées et on lance en amont. Des fois on lance, ça m'arrive de lancer des fois 10-12 mètres en amont. le temps qu'elle descende sous 6 mètres de fond et qu'elle arrive au fond. Et le problème ensuite, c'est de la porter en rasant le fond. Et savoir si on est bien au fond, c'est le plus dur. Parce que là, j'ai pas de rigoletto. Et bon, c'est voilà, extrêmement difficile. C'est une autre pêche, hein, c'est comme je disais ce matin. C'est une autre pêche. On est dans un autre monde. Voilà. Eh bien, je vous dis peut-être à une prochaine vidéo, et en espérant qu'il y ait autant de séquences émotions. Au revoir.